Éternel. Combien de monde qui sentit yo content yo t'a pas adoré dans moment ça là. Barret quoi c'est offrande Dieu saute prendre mais on là qu'a déranger bagaille là. Parce que me t'ai senti l'église là dans ciel lorsque pasteur Richard t'a pas adoré. Combien de monde qui t'ai senti ça et seulement t'ai ouais ça. Est-ce que seulement t'ai ouais ça? En nous bail bon Dieu on clame. C'est gain monde qui t'ai ouais ça bail bon Dieu et on clame. Et le ali a pas avancé, non pas prêté trop. Et non gagne un thème non pour jeudi ça yo comme elle dit c'est fortifie-toi et prends courage. En nous camper avec Bibou nan main dans Josué chapitre 1er. Nous on va faire lecture pour Josué chapitre 1er. Josué c'est après Deutéronome dans l'Ancien Testament. On va joindre le livre Josué. On nous fait un petit campé, on nous fait un petit campé. Josué, chapitre 1er. Ma l'époux dans verset 1er, rivé dans verset 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que bon Dieu bénisse parole. On met chita. Et thème n'a développé, il dit fortifie-toi et prends courage. Gardez moun ki bon koto là, dit le focus sur promesse bon Dieu yo, parce qu'il a accompli certainement. On met gardez moun nan, gardez-li, dit le focus sur promesse bon Dieu yo. Parce qu'il a accompli certainement. Et il y a un verset biblique qui dit, si promesse la ta prend temps, je ne sais pas si je verset ça en pile, si promesse la ta prend temps, tant ni, parce qu'elle n'a pas accompli dans temps. Il y a un bagage dans bon Dieu qui est autant marqué, autant fixé, autant convenable. Et tout ça sorti dans la parole, bon Dieu, si ou elle peut arriver, c'est que c'est le bon Dieu pour arriver, mais il gagne pour l'accomplir. Et pendant la semaine, pendant jeudi, le pasteur a un message que bon Dieu communique étant que l'ange de l'église. Et il vient avec un thème ça qui dit « Fortifie-toi et prends courage ». Ça, c'est un appel. Un appel pour fortifier, un appel pour très courageux. Il y a un appel pour focus sur promesse, mon Dieu, sur ça, mon Dieu dit. Il y a un appel
pour être connecté avec bon Dieu là en dépit de tout ça qui a privé dans le monde. Et ouais, m'pa dit dans tabernacle du rocher, m'pa dit en Haïti, mais moi dit dans le monde entier, parce que dans le moment que nous vivons, c'est pas Haïti seulement qui bouleversé, c'est pas tabernacle du rocher seulement qui bouleversé, c'est pas tabac seulement qui bouleversé, mais c'est le monde qui a traversé un moment difficile. Et c'est tout le monde qui pour déconnecter eux sur eux-mêmes. C'est tout le monde qui pour déconnecter eux sous connaissance que ont gagné. C'est tout le monde qui pour déconnecter eux sous avancée qui a fait, sous ça la science a dit, mais pour mettre les yeux sur bon Dieu. Josué c'est capable de dans texte là, il dit serviteur de Moïse mais également serviteur de Dieu. Parce que lorsque Moïse t'a servi bon Dieu comme serviteur de l'Éternel, et lorsque Moïse arrivait dans bout li, faut gagner un monde achevé promesse bon Dieu. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi l'église là? Parce que promesse bon Dieu pas qu'arrêter dans route. Tout ça bon Dieu dit, il n'est pas à moitié, mais il est à 100%. Est-ce que vous entendez révélation ça à midi? Tout ça bon Dieu dit, il n'est pas à moitié, mais il est à 100%. Lorsque Dieu utilisait Moïse pour sortir avec le peuple en Égypte et pour traverser la mer Rouge, pour traverser le désert, et lorsque le peuple bon Dieu était tombé en rébellion, même Moïse que bon Dieu était utilisé pour sortir en Égypte, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Mais ce n'est pas promesse bon Dieu qui n'est pas entré. Est-ce que l'église l'attendait, ça m'a dit là? Moïse qui était sorti en Égypte, il n'est pas entré dans la terre promise, mais ce n'est pas promesse bon Dieu qui n'est pas entré. Parce que promesse bon Dieu, il est à 100%. Il y a un côté Paul Rivé, il dit si je suis en prison, si je suis lié, mes paroles bon Dieu pas lié. Et c'est ça que fait pendant la prison. Et Paul écrit en pile lettres, Paul écrit en pile épître pour le voyer par l'église là, pour le dire c'est moins étant que l'homme qui a incarcéré, c'est moins étant que l'homme qui a en prison, mais parole bon Dieu. L'église là pas comprendre. Mais parole bon Dieu, yo met utiliser chaîne, yo met utiliser cadenas, yo met utiliser wash, yo met utiliser bloc, parole bon Dieu a traversé. Parce que parole bon Dieu pas gagné encore opaque qui capable de bloquer. Pas gagné aucune substance qui capable de bloquer. Pas gagné aucun matériel, il peut pas exister qui capable de bloquer parole bon Dieu. Et là c'est m'dou, si l'autre pays yo fermé frontière. Mais là c'est m'dou parole bon Dieu traversé. Et si ce n'est pas une loi, mon Dieu, violée, mais dans l'autorité, dans la souveraineté, il faut que la parole les traverse. Parce que pendant le tabernacle du rocher, il a adoré dans le tabac, mais nous gagnons une autre église qui est à l'étranger. Il faut que la prière nous traverse. Et Paul dit, si je suis en prison, la parole, mon Dieu, pas en prison. Et ces mêmes gens, m'te commencé, lorsque Moïse arrivait, par rapport avec une négligence que Moïse fait, Dieu dit Moïse, gardez la terre promise, mais ou même ou pas entrer. Moïse était. Mais parole, bon Dieu, était déclarée. Ce n'est pas de condition dans la mer Rouge que bon Dieu était gagné avec le peuple. Ce n'est pas de condition dans le désert que bon Dieu était gagné avec le peuple. Ce n'est pas de condition devant Jourdain que bon Dieu était gagné avec le peuple. Et il prend le relais Josué pour le faire passation. Pour Moïse faire passation. Et Josué prend entrer dans la terre promise avec peuple bon Dieu. Mais étant que l'homme, objectif, message, pasteur besoin, étant que l'homme, il y a des bagailles qui arrivent devant face nous, n'oubliez parole bon Dieu rapide, n'oubliez promesse bon Dieu rapide, n'oubliez qui est ce bon Dieu rapidement. Et bon Dieu qui connaît ça, il est toujours à faire des rappels pour nous. Même lorsque Moïse bah un message là avec Josué et Josué qui côté le rivé qu'elle voulait troubler qu'elle sauter parce que c'est l'homme qu'elle est.
Et pendant 9 fois dans chapitre ça bon mais devoir ça le travail la caillou à li pour combien fois bon Dieu dit dans texte là fortifie-toi et prends courage. Et à chaque fois où est bon Dieu, il fait sacré les renforcements dans la parole. Li, gon bagay qui est important, gon bagay qu'elle va vouloir négliger. Et c'est ça que fait Jésus-Christ. À chaque fois qu'elle a baillé un message qui est important là dans la Bible, il dit en vérité, je te l'ai dit, ça c'est son bon Dieu, ça c'est même qui s'élève. Il dit c'est moi qui dis, c'est pas l'homme qui dit. C'est moi-même qui omniscient, qui omniprésent, qui omnipotent qui dit. C'est moi-même qui était là hier, qui l'a jodi et qui l'a cap toujours là qui dit. C'est pas une parole qui vient pour passer, c'est pas une femme qu'elle y est, c'est pas un message émotion qu'elle y est, mais c'est parole qui vient pour un accomplissement. Et nous vient pour nous un accomplissement. Et peuple, lui vient en côté Josué à la tête. Et Dieu pral dit Josué dans le verset 3, il dit tout lieu que foulera la plante de votre pied. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Parce que c'est mon message. Accomplissement, promesse, mon Dieu. Il y a plusieurs phases qu'elle est capable d'accomplir. Il y a plusieurs chemins qu'elle a passé. Il y a plusieurs routes qu'elle a passé. Et à chaque fois où Satan, le diable, t'a voulu bloquer promesse, mon Dieu, sur la vie, Dieu pétait une autre porte contre l'homme, pas toi, porte. À chaque fois, l'homme a bloqué un chemin que yo connaît, que yo qu'on utilisait déjà. Dieu tracé un chemin côté pas de chemin. Et c'est bon Dieu ça en a servi. Et si bon Dieu, il était monotone, s'il était gagné une seule phase qu'elle était qu'à utiliser Jeff, eh bien moi-même avant on était bloqué déjà. Peuple bon Dieu a été bloqué déjà parce que le monde essayait, le monde essayait, le monde essayait, le monde essayait pour bloquer nous. Mais Dieu connaît ça déjà. Et Dieu n'a pas jamais baillé au secret. Et si Dieu t'a quitté secret à nommer l'homme, il t'a bloqué déjà. Parce que ce n'est pas essayer, il n'a pas essayé. Mais c'est échouer, il a échoué dans la tentative que a fait. Et à chaque fois, il a bloqué nous. Dieu dit non, c'est moi-même qui domine. Je vais côté de tracer ce chemin, je vais côté de ouvrir la porte. Et Dieu ouvre la porte là. Elle dit avec Josué, tout côté où mettez pied, ma baoule comme héritage. Tout côté où posez pied, ma baoule comme héritage. Tout côté où campez, où exaltez nom, ma bonne autorité. Et pas pour sans raison, nous, tout côté que nous y est, eh bien, atmosphère, même lorsque tu as un bagage qui est privé, mais différent que tu as un monde qui a sur cet esprit sur toi, différent que tu as un monde, c'est pour le ciel qu'il y est, eh bien, atmosphère, ça a obligé de contrôler, zone, ça a obligé de contrôler. Et il y a un chant que je remets en pile, qui dit, vini contrôler, atmosphère, si là. Il y a un moment où nous sommes obligés de faire une interpellation, parce que côté que nous y est, m'utiliser le mot interpellation. Parce que dans le monde mystique, on connaît sacré l'interpellation. Mais nous-mêmes également, lorsque nous sommes en danger, lorsque nous sommes en position, Jeff, il a barré nous à gauche, il a barré nous à droite, il a barré nous devant, il a barré nous derrière. Son interpellation pour nous faire la Trinité céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pour prendre nous dans le temps, pour voler avec nous. Parce que moment, Dieu bat nos pieds, mais pas marcher, marcher. Parce que bataille là, il n'est pas dans la phase de marché. Est-ce que l'église l'a ensemble avec moi? Que parfois Dieu bat nous demain, mais ce n'est pas avec nous que nous agissons, ce n'est pas avec nous que nous bataillons, c'est avec bouche que nous bataillons. C'est la déclaration pour nous faire. C'est le nom de Jésus-Christ pour nous citer. C'est des cantiques qui pour nous monter. Et lorsque l'obstacle arrive devant nous, quelle que soit la forme qu'elle va prendre, devant le nom de Jésus-Christ, toute montagne doit tomber. Amen, amen. Toute roche qui est devant nous, devant le nom de Jésus-Christ, il doit tomber. Et nous avançons dans le texte, dans le verset 4. Il dit, vous aurez pour territoire, depuis le désert de Liban. Et le verset qui a besoin, dans le verset 5, il dit, Nil ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il dit, pas une pièce monde qui est capable de camper devant tout autant ma vive. Et l'église là, bon passe nous un petit test. Qui la bon Dieu pape vivre encore? Est-ce que l'église là veut répondre?
Est-ce que moun nou gagne sur Facebook, YouTube, blanc, veut répondre qui est bon Dieu, li pap vive encore? Qui est Jésus-Christ, pap exister encore? Qui est Saint-Esprit, pap exister encore? Et dans le texte là, dans le verset 5, il dit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ah, c'est une garantie. Si mon Dieu dit, pas gen rien kap kokanpe devant moi tout autant l'exister, me senti que c'est fil mol là-bas ennemi. Si ennemi entendez, c'est là bon Dieu pas exister encore. Ça que la bon ti espoir, la gagne un jour, la connaît gagne un jour, bon Dieu pas exister encore. Eh bien la vinn vinn moi parce que Satan le diable à chaque fois qu'elle tente nous, il tourner là chercher des esprits qui plus méchants, elle tourner dans bataille là. Et la Bible dit, à chaque fois qu'on attaque faite, il n'a pas réussi. Eh bien, esprit ça, il tourne là des sept esprits qui sont plus méchants que lui. Et lorsque le texte l'en dit, pas qu'il n'y a rien qui a campé devant, tout autant bon Dieu a vivre. Ça, c'est un autre message qui dit, je n'ai jamais perdu victoire. Est-ce que l'Église l'en comprend ça, m'a dit là? Si quel Dieu dit, si quel bon Dieu m'a déclaré, il dit l'a campé avec, l'a pas avec dans bataille l'a marché avec, tout autant l'existait, son message cordé pour ennemi, pour le pas qu'à comprendre, pour que ennemi a pas qu'à comprendre ça qu'a dit, parce que bon Dieu m'a, il c'est un Dieu éternel, Jésus-Christ, il c'est un Dieu éternel, Saint-Esprit, il c'est un Dieu éternel. Amen. Et s'il a marché avec, s'il dit que je n'ai pas perdu la bataille tout autant la vivre, ça signifie Jeff que je vais toujours porter victoire parce que bon Dieu m'a dit que je n'ai pas l'air qu'elle pape sous pouvoir encore. Pas gagné ou l'air, parce que en pile dans le monde, en pile discussion faite, en pile monde, eh bien, y'a gagné ou espoir, parce que y'a après un an, après deux ans, après trois ans, après quatre ans, et lorsque cinq ans fini, gon espoir pour y'a président tout. Mais pas gagné espoir, non? Pour y'a le bon Dieu tout. Parce que Dieu m'a dit là éternellement. Et c'est ça l'a dit avec Moïse. Là. Il dit tout autant qu'il m'existait. Et texte là, promesse ça qu'elle y fait. C'est une promesse qui, puissance divine de Dieu, l'a toujours à la disposition de Moïse. L'a toujours à la disposition de Josué. Et c'est pas celle-là même. Parce que bon Dieu, il n'est pas Dieu Moïse seulement. Il n'est pas Dieu Josué seulement. Mais il est à la disposition de nous-mêmes qui vivons aujourd'hui. Tout le monde qui croit Jésus-Christ, eh bien, puissance souveraine de Dieu, autorité souveraine de Dieu, là toujours avec moi et ma veuve, parce que nous sommes monde qui croit en bon Dieu. Nous sommes monde qui confesse bon Dieu. Nous sommes monde qui a son Saint-Esprit sous nous. Et nous avançons. Eh bien, c'est une promesse qui fait. Et dans le verset 6, il dit: fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ngon bagay que m'ta vle comprendre. Pas oublier dans texte là non et sujet que nous sautouet aller en. M'dou que quoi dans promesse bon Dieu yo parce qu'il a accompli certainement. Et ou capable elle dit Josué, c'est ou même. Regardez dans le verset 6 qui ça dit Josué. Il dit c'est ou même qui a fait peuple en arriver dans la destination que nous te promettons là. Et faisons une analyse pour vous. Lorsque Dieu relève pour faire une bataille, lorsque Dieu relève pour camper pour lui, lorsque Dieu relève pour faire un travail pour lui, si vous abandonnez le travail ça. Parce que Dieu déclarait avec Josué, il dit, c'est vous-même qui avez entré avec le peuple. Et si Josué, qu'on y a, il lague la bataille, s'il dit, il n'est pas prêt. Pour peuple bon Dieu, hein? S'il dit le pas prêt pour le marché pour bon Dieu, qui ça qu'a privé? Alors regardez qui ça qu'a privé. Il dit Josué, c'est ou même. Tu as souhaité prêter le doigt sous tête ou? Il dit c'est moi-même qui a entré. Regardez, l'église n'a pas compris. Prêter le doigt sous tête ou? Il dit c'est moi-même qui a entré. Il dit c'est dans la vie même promesse là l'a pas accompli. C'est pas pour l'autre monde, c'est pas un cousin, attendez, c'est pas une cousine, c'est pas une ma tante. C'est pas un tonton, mais c'est dans la vie m'l'a pas accompli.
C'est pas témoignage moun que me pral bay. Regardez, dis ça sous tête tout parce que bon moment pour utiliser témoignage moun, mais bon moment c'est ou même, attendez. Bon moment c'est avec ou pour le rêve pour le fait. Bon moment c'est des têtes pour parler dans témoignage là parce que c'est pas seul moun bon, c'est pas seul moun bon Dieu qu'a fait pour lui. C'est pas pour seul moun promesse bon Dieu là, mais là pour moi même avec tout. Gen ou l'aime pas parler de sel David, gen ou l'aime pas parler de sel Moïse, gen ou l'aime pas parler de sel Jacob, mais m'a dit Jonas bienvenue, mais qui côté mon Dieu t'es sorti avec, mais dans route qu'elle passait avec, et mais qui côté mieux aujourd'hui, et demain si Dieu veut, m'gon côté que ma pied, parce que bon Dieu m'a prégné. Que moment c'est pas moun tout temps, c'est pas témoignage moun. Oui, m'ka comprendre. Lorsque yo bay témoignage, c'est pour encourager ou ka utiliser témoignage yon moun, ou ka parler de ça bon Dieu fait dans la vie yon l'autre moun, mais gen un moment c'est où. Attendez, il y a un moment, c'est où? Parce que dans la délivrance, bon Dieu, dans le miracle, bon Dieu, nous te prêché un message comme ça, il y a un numéro. Est-ce que l'église là, ensemble avec? Et chaque numéro a un nom. Ou pas besoin de fâcher lorsqu'on a un monde, bon Dieu, a passé avec. Parce que c'est dans la page pas, mon nom, bon Dieu, arrivé. Est-ce que l'église l'entendait ça à midi? C'est dans la page pas, mon nom. C'est dans le numéro pas, mon nom, bon Dieu. Et c'est un livre qui écrit dans mes bon Dieu. Et ça qui est intéressant, bon Dieu, pas sauter page. Parce que Dieu, toute bagaille incarnée dans l'esprit, dans la page que vous avez, les papes sauter, les papes sauter, non, les papes falsifier, non. Et lorsqu'elle arrivait, sous numéro parlant, mettez non. Écris-nous dans l'esprit qu'on y a. Écris-nous dans l'esprit. Parce que Babli aime dire c'est dans l'esprit que toute bagaille est faite avant de matérialiser. Mettez-nous dans l'esprit qu'on y a. Par contre, ce qui est ça, que pas faire qu'à vous sauter. Et je vais arriver puis devant un message là. Peut-être que c'est un message qui a fait un duré, je ne vais pas qu'on prêche long. Je vais arriver dans un moment puis devant un message là. Je vais faire sentir qui bagaille, qui a détourné ou qui a fait un fort, pas focus sur mon Dieu encore. Parce que bon Dieu fait un bon message déjà, que non inscrit dans le livre qui nous emmène là, que numéro 1, le pape saute, mais ou même, ou voulez changer le livre. Est-ce que l'église l'entendait ça? Pas changer le livre là, parce que l'autre livre là, non, on ne peut pas. Est-ce que l'église l'entendait ça, m'a dit là? Livre qui nous emmène, bon Dieu, c'est bon Dieu qui écrit, non, on l'adonne. Mais l'autre livre là, on ne peut pas qui est-ce qui écrit, non, on ne peut pas. Et sinon, pas dans l'autre livre, l'on change le livre. Corvée ou apfè. Merci, Sam. Corvée ou apfè. Parce que non côté non écrit, c'est dans le livre qui n'a même bon Dieu. L'autre livre, là, non simplement, ce n'est pas bon Dieu qui écrit. Et deuxièmement, non, pas là-dedans. Il dit avec Josué, pendant plus que 7 fois, fortifie-toi et prends courage. Et c'est un message. Dans le verset 7, 6, il dit fortifie-toi et prends courage. Et dans le verset 7, il répète encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il dit, tout ça autant de Moïse, pas aller ni à gauche, pas aller ni à droite. Parce que c'est une promesse qui fait. Et promesse ça, il fait avec Abraham. Promesse ça, il fait avec Isaac. Promesse ça, il fait avec Jacob. Et je vais prendre tous les 3 séparément. Et je vais montrer qui réaction moun sa yo après yo fin tande les mots de Dieu, après yo fin tande ça bon Dieu déclaré sous la vie yo, m'pral montrer comment yo recevoir message bon Dieu dans la vie yo. On va regarder avec Abraham avant dans époque là qui était Abraham. Vire dans Genèse chapitre 12 le verset 7. Dans Genèse chapitre 12 le verset 7 que Abraham pral recevoir yon message. Dans Genèse 12, le verset 7, on nous vire ensemble avec moi. Utilisez Bibou pendant qu'on va virer, on va lire parole, bon Dieu, et il y a des bénédictions qui viennent joindre nous. Dans le verset 7, il dit, l'Éternel apparut à Abraham, dit, je donnerai ce pays à ta postérité.
Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Premier bagage que Abraham fait, Dieu dit que il paraît, premièrement, c'est la théophanie. Dieu paraît, je dis, ou capable de dire, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, et en Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Premier bagage est que lorsque Dieu paraît sur Abraham, il dit le bras le bas ou possession ça. Et pour Abraham montrer bon Dieu que lui accepter, lui d'accord. Et bien premier bagage qu'elle fait, lui bâtit un hôtel pour bon Dieu. Et lorsqu'elle bâtit un hôtel pour bon Dieu, et bien descend dans l'autre verset dans le verset 8. Et bien on a deux hôtels que Abraham a bâti. Et Bethel signifie maison de Dieu. Bethel signifie maison de Dieu. Il y a un préfixe Beth qui signifie maison et elle qui sortit dans elle Elion qui signifie Dieu très haut. Eh bien, c'est maison de Dieu. Et lorsque Abraham bâtit l'autel là pour bon Dieu, premier bagage qu'il a dit qu'il fait, eh bien, bon Dieu, il fait paraître présence lui dans l'autel là. Ça qu'elle d'accord. Non simplement Abraham, il est d'accord au message bon Dieu, il recevra message bon Dieu et bon Dieu montre à Abraham qu'elle reconnaissant de ça le faire, qu'elle acceptait offrande là. Elle dit, premier bagage, c'est que Abraham pat, il pas retiré les yeux sous bon Dieu. Premier bagage qu'elle fait, il bâtit un hôtel pour bon Dieu. Et lorsqu'elle bâtit un hôtel pour bon Dieu, il dit, Dieu ne fit pas à Abraham une promesse qui s'est limitée à lui. Il conclut avec lui une alliance dont les intérêts élevés et sacrés. Il y a deux mots dans ça, il dit les intérêts élevés et sacrés. Il y a des bagailles, les m'appli dans le texte, je cherchais les mots forts, je cherchais ça de profondeur. Premièrement, il dit les intérêts élevés. Ce n'est pas bagaille terre à terre, ce n'est pas bagaille qui sans valeur que bon Dieu a banni. Ce n'est pas bagaille que l'homme méprisé, bon Dieu a banni. Mais c'est des bagailles qui sont élevées, bagailles qui sont sacrées. Il dit les intérêts élevés et sacrés, c'est situé dans le long terme. Dans un pays où sa descendance devrait vivre en tant que peuple élu. Par contre, si l'Église l'entendait ça, bagaille qui élevé et sacré. Et deuxième bagaille, il dit il bâtit un hôtel à l'Éternel. Il dit par acte que Abraham fait, il confessait publiquement la foi qu'elle gagnait dans Jésus-Christ. Et il instaurait un culte. Il dit c'est premier. Temple qui t'a gagné, premier temple d'adoration qui t'a gagné, dans la terre que bon Dieu qui t'a promet, c'était Abraham qui t'a fait. Et je ne sais pas comment on comprend, lorsque bon Dieu fait un bagage pour vous, comment on manifeste reconnaissance envers Dieu. Est-ce que l'Église l'a attendu là? Je ne sais pas si vous avez dormi, nous ne sais pas si vous avez dormi seulement, je voulais vous suivre moi. Je ne sais pas comment on manifeste reconnaissance envers Dieu. Et pas oublier, Dieu lui récompense reconnaissance. Est-ce que l'Église l'a entendu ça? Dieu récompense reconnaissance. Lui récompense les gens qui ont gratitude envers elle. Et je dis toujours qu'on bagaille, me dit, merci, vous l'avez dit, bon encore. Et bon Dieu prend un piège ça, nan men l'homme plusieurs fois. Lorsque nous remercions bon Dieu, il dit, ah, t'es bon, ça, remercie-moi, eh bien, mais toujours. Et Abraham, il bâtit un hôtel pour bon Dieu. Et deuxième bagaille, il dit, ce fut le premier véritable lieu d'adoration érigé dans le pays, promis. Imaginez-vous, dans une terre qui est au pral vivre, premier temple d'adoration, premier lieu d'adoration qui gagne pour adorer bon Dieu, que c'est vous-même qui offrez le bail bon Dieu. Comment bon Dieu t'a fait arrêter sur action ça pour ne pas avoir des centupes? Et c'est ça qui est dans bon Dieu. Lorsque nous baillons bon Dieu, il y a un bagage qui n'a pas même de valeur. Mais dis-moi que nous baillons avec tout le cœur. Dis-moi que nous reconnaissons. Eh bien, Dieu prend ça que nous baillons, qui n'a pas même de valeur. Elle porte en nous des choses
élevé et sacré. Et deuxième monde qui te promesse là te fait pour lui, c'était pour Isaac. Dans Genèse 26 verset 1 à 3, d'arrêt on écrit verset ça yo parce qu'on pas ca gain temps li ou kounya, mais là on n'entend pas ou la caillou ou valio. Dans Genèse 26 verset 1 à 3, premièrement c'était avec Abraham dans Genèse 12, deuxièmement c'est avec Isaac dans Genèse 26 verset 1 à 3. Babli pour vous. Il dit il y a une famine dans le pays. Outre la première famine qui est liée du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Verset 3, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que j'ai fait à Abraham ton père. Ouais, qui ça bon Dieu dit à la fin, il dit m'a kembe serment que m'te fait, promesse que m'te fait avec Abraham papa. Mais gen un bagage me voulait faire sentir dans texte là. Il dit qu'on famine qui arrive. Et qui est Isaac qui est souple? L'église en aide me prêcher. Qui est Isaac qui est? Petite qui est Isaac qui est? Petite qui est Isaac qui est? Petit Abraham, père, ou du moins, père de la foi, si je te dis comme ça, papa la foi. Et une promesse qui était faite avec Abraham, la vini, père d'une multitude. Mais un petit papa la foi, on y a une famine qui tombe. Et premier bagaille qui a fait, alors, il y a bagaille qui a fait, ou retirer les yeux sous bon Dieu, c'est un manque de nourriture. Est-ce que l'église l'a entendu là? Me songeais un message papa spirituel m'a été prêché ma balle crédiant qui dit la puissance de la nourriture et manger fait moun faire en pile tintin manger fait moun avancer tout. Est-ce que l'église l'a entendu ça? Pas oublier m'était tout c'est un message m'était cap un petit temps en plus m'pas connait prêcher long nous connait ça déjà mais me senti fort moi dit ça en dans message là aujourd'hui. Manger qu'a faire un monde faire en pile avancer. Manger café au monde faire en pile tétin. Et mais là, Isaac, père, alors petit papa de la foi, et il y a une famine qui tombait. Il dit qui ça Isaac décide de faire? Isaac décide quitter côté le terrain pour lui descendre en Égypte. Et dans la Bible, lorsque nous avons étudié ça que la typologie, Égypte c'est un type de monde qu'elle est. Est-ce que l'église l'attendait samedi là? Égypte, c'est un type de monde. Lorsque Isaac a une famine qui tombait, eh bien, il a retiré le focus sur bon Dieu. Il a retiré tout ça, bon Dieu, te promettre les cap fait dans la ville. Eh bien, il a descendu en Égypte. En Égypte, qui signifie aller dans le monde, qui signifie tourner dans la vieille messe que nous avons, qui signifie tourner dans la mauvaise action que nous avons. Et il prend route. Li. Et il dit Dieu pourrait utiliser Isaac. Dieu pourrait parler avec Isaac. Dans le verset 2, l'Éternel lui t'a paru et dit, pas oublier, pour Abraham, l'Éternel te paraît sur Abraham également. Il paraît sur Isaac dans le verset 2, Genèse 26. L'Éternel lui t'a paru et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Et pas ça, c'est pas ça où est qui belle devant violent. C'est pas côté où est bagaille a fleuri devant violent. C'est pas côté où est l'attaque miel a coulé dans yeux charnel ou mais c'est ça bon Dieu t'a dit ou là. Est-ce que l'église l'entendait ça? Si bon Dieu dit c'est dans désert elle a faire une source d'eau péter pour nous. Pas garder Sodome qui c'est une belle plaine. Et c'est dans piège ça nous prend. C'est en pile fois nous rater occasion bon Dieu te gain pour nous-mêmes. Nous rater plan bon Dieu, nous rater promesse bon Dieu parce que nous a regardé parce que on dit les justes vivra par la foi. Ouais, nous pas vivre de ça nous ouais, mais nous vivre de ça nous quoi. Est-ce que l'église l'a entendu ça? Non pas vivre de ça nous ouais, mais vivre de ça nous quoi parce que monde qui croit yo, c'est pas ça yo ouais devant Dieu yo ouais. Parce que ça ouais devant Dieu là le cabel. Mais c'est pas plan bon Dieu en quel lieu. Ou quand l'état avec miel a coulé, ou quand grand pile l'intérêt pour même dans Dieu charnel ou. Mais bon Dieu, c'est pas là qu'elle te trace plan pour. Elle dit avec Isaac, puis descend en Égypte.
rete kote kem te di ou la. Pas aller en Égypte. Parce que Égypte, c'est descendre dans le monde. Égypte, c'est tourner dans vie bagaille. Égypte, c'est tourner dans mauvaise vie que nous t'ayons. Égypte, c'est retirer focus sous sou bon Dieu pour mettre le sous monde, pour mettre le sous propre tête, pour mettre le sous famille. Mais bon Dieu voulait nous dépendre de lui-même. Et troisième monde que promesse là, il t'a pral fait pour lui. Et c'était Jacob. Lorsque Jacob dans une vision, eh bien Jacob rivé en côté et gain dormi prendre. Dans Genèse 28, si nous t'a regardé ensemble avec moi, m'a lu verset 13, mais c'est dans verset 10 à continuer. Dans le verset 13, Genèse 28. Il dit, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Mais dans le verset 10, on nous regarde ensemble avec moi. Il dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Dans le verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Laisse que Jacob réveille. Premier bagage que Jacob dit, on regarde dans le verset 16. Il dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Où est Moïse? Il dit, c'est ici la maison de Dieu. Jacob dit, certainement, c'est maison bon Dieu. Il dit, certainement, ça c'est porte ciel là. Parce que dans la vision, on va finir l'île pour où? Ou elle regarde. Jacob, voyons, échelle, que prête échelle là en l'air, dans le ciel là. Et puis, l'autre prête échelle là sous terre. Par contre, si l'église comprend ça, ça c'est une connexion entre le ciel et la terre. Amen. Ça c'est une connexion entre le ciel et la terre. Ça c'est un bagage qui explique Jacob. C'est pas dans un songe qu'elle est. Côté mauvais esprit, a vu une troublée. Côté Satan, le diable, a vu une balle de vision pour quitter route bon Dieu. Mais c'est une confirmation qui signifie que c'est bon Dieu même qui a communiqué avec. C'est prêtre échelle là dans le ciel et l'autre prêtre là sous la terre. Parce qu'il y a des bagages que nous avons demandé, mon Dieu. Et c'est ça que nous demandons pour nous prier avec la foi, pour ne pas douter. Parce que des bagages que nous avons demandé, mon Dieu, qui sont ennemis en fait, il prend l'image que nous avons demandé et puis il porte le mot ou un songe. Et lorsque vous même vous connaissez, c'est ça que vous avez demandé, mon Dieu, c'est démon qui est accompli. Pendant ce temps, c'est ennemi qui porte une image de ça que nous avons demandé. Est-ce que l'église est là avec moi? Ou qui doit prier pour on fait ou qui doit prier pour un nègre ou dit mais ça me ta remet et puis ennemi utiliser un vagabond et puis il fait ça que on te qu'on a demandé ça que on te qu'on a dit et puis premier bagage qu'il va le montrer et c'est lui même on dit waouh c'est nèg pas dans ça tandis que c'est Satan qui connaît et c'est ça qui fait prier nous yo yo dit lorsque nous on prier prier pour nous pas gagner doute. Priez avec confiance, priez avec la foi que ça nous demande pour Dieu, la vie nous joindre nous. Parce qu'il y a esprit dans l'air. Esprit de l'air. Parce que lorsque Lucifer a chuté, il a dit nous avons un tiers ange qui est descendu avec elle. Et dans le tiers ange, il a gagné dans l'air là. Et il a même groumé à des anges qui t'ont porté des réponses de la prière. Et Jacob dit non. Ça, certainement, c'est bon Dieu.
qui a communiqué. Premier bagage pour Jacques et Isaac, où tu es la famine te fait liquider pour te descendre dans le monde, pour te descendre en Égypte. Des gens sont maladies qui viennent sur vous pour le décontrôler, pour le faire descendre dans le monde. Et nous avons un exemple ici. Lorsque ça nous te prend une nouvelle, que quel pas de bon, ça c'est un message qui est capable de faire décontrôler. Parce qu'il y a des bagages que vous finissez en tant que l'homme, toute force que vous gagnez pour ta prière et aller. Par contre, si vous faites expérience déjà, toute force ou gagnez pour ta camper devant bon Dieu, pour intercéder, il y a des nouvelles que vous finissez en et bien force ça vous aller. Gagne moun après le fin tande yon message, li mouri. Après le même fin tande, mais sacrivé, li fait cœur, et bien la laisse subitement. Parce que c'est l'homme qu'elle y est. Mais laissez-moi dire, bon Dieu, te gagne un nouveau cœur. Est-ce que l'église l'a attendu ça? Elle avait dit, ça devant là, pour retirer focus sur bon Dieu. Jodi a dans le monde, gagne un bagage qui veut retirer focus sur le monde, qui c'est pandémie. Hein? Mais laissez-moi dire, rete confiant, attendez. Bon Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Elle dit, pandémie ça, les retirer, espoir en pile monde déjà. Et moi-même qui parle avec vous là, il y a des gens qui disent ça. Elle dit, il n'y a pas la vie pour vous encore. Il n'y a pas de fierté encore dans la vie. Il n'y a pas rien encore pour l'homme qui est fier de tête. Eh bien, ok, il dit, il y a vivre Jean Lié. Est-ce que l'église l'a attendu ça? Y a vivre Jean Lié. Il n'y a pas de fierté encore, Jeff. Jodi en relevé. Si on a mangé, on a mangé. Si on a le travail, on a le travail. Y a vivre, on vit négligé. Parce que on a tant qu'on est n'importe jour, qu'on a qu'à mettre main sur eux et puis on a allé. C'est comme ça que on vit. Mais même jour, nous-mêmes qui n'entendons pas du rocher, ou même captain d'em sur les ondes dans le moment ça, sur Facebook, sur YouTube, n'a pas du fortifié et prend courage. Pandémie, ça n'a pas qu'à mener, on a allé. Pandémie, ça n'a pas qu'à faire retirer le focus sur bon Dieu. Dans toute situation. Parce que bon Dieu nous a fait une déclaration. Il n'a pas dit que c'est là, ça a bon là-bas avec nous. Il n'a pas dit que c'est là, pas de maladie. Il n'a pas dit que c'est là, de sécurité. Mais il te dit là-bas avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est espérance que. Et c'est là que je chita. C'est sous parole ça que je campe. Et si Abraham te fait une action de grâce. Si Abraham t'a bâti un hôtel pour mon Dieu, il y a des choses que Dieu a fini de faire pour nous. Nous t'a supposé qu'il a bâti un hôtel pour mon Dieu. Et ça, c'est important dans le texte. Où est Abraham? Il n'est pas plaigné, il n'est pas négligé, il n'est pas fait l'oudo, mais il était ouais qui ça, mon Dieu, fait. Et bien, il te dit certainement, Jacob te déclaré, il dit certainement, ça c'est maison, mon Dieu, ça c'est pas ciel là, elle bâti un hôtel. Bral kite ou. Bral kite ou. Mais bon, bon engagement ça. Peut-être que les bagages qui arrivent devant ou te néglige. Les bagages qui arrivent dans la vie ou déjà ou te néglige. Même remerciement. Bon Dieu, pas de joindre dans mais ou. Parce que bon, les bagages Dieu fait pour nous, nous te devons garder qui ça te pague l'église là. Nous disons, mais ok, pour preuve que ça bon Dieu fait pour moi, bon me poser un saut dans ta bon Dieu là. L'église n'a pas attendu, moi, ça. L'église n'a pas attendu. L'église n'a pas attendu. Ça, c'est ça, pas bon pour vous, ça m'a dit. Quand on regarde bon Dieu faire pour nous, nous devons chercher qui speaker qui commence à finir. Nous devons chercher qui micro qui n'est pas bon. Nous devons chercher qui guitare l'église là qui n'est pas joué bien. Pour nous dire, en guise de ça, bon Dieu faire pour moi, bon me poser un saut. Parce que c'est ça que tu fais. Mais si tu fais dans l'Ancien Testament, et pas plus que nous, il n'y a pas plus que nous, il n'y a pas rien plus que nous. Parce que ça, bon Dieu te fait pour vous. Pendant que nous vivons dans le temps, bon Dieu fait un pile bagage. Nous t'adouer à chercher. Les jours dimanche là, faut nous t'avoir des monde qui quitte chasse derrière, cap font vine pi près, speaker ça pour loin. Est-ce qu'elle pas chiré? Est-ce que c'est pas ça que m'a changé? Est-ce que c'est pas ça que m'a changé? Est-ce que c'est pas cher que m'a changé? Même mon remerciement. Non pas joindre, bon Dieu pas joindre. Et me songer, gon déclaration, gon message. Et c'est lui même qui fait route.
dans la vie. Et pas celle nous-mêmes, non. Et parfois nous-mêmes, nous ne recevons pas. Mais les gens qui suivent nous sur les ondes, ils recevront avant de sortir, avant de passer, après de passer, jamais pendant ma passer. Il y a des gens qui t'ont dit, eh bien, bon, bon Dieu, une action de grâce, après le message, ça, qu'elle fin voyait pour moi. Pendant que je dis ça, je me sens comme bon, bon Dieu, une offrande pendant que je dis ça. Je vais chercher un cob qui est neuf dans le bousse pour me bailler, mon Dieu. Parce que quand pile bagaille, mon Dieu fait, je songe même remerciement. Je ne pas de deal. Parce que 100 dollars, ça y est neuf. Je vais mettre là. Je vais remerciement. Même remerciement, je ne pas de dire, mon Dieu. Je avant de passer, après de finir de passer, jamais pendant ma passer. Et je vais vous dire que vivre en dehors pays. Avant, elle voyait un message, moi, je vais dire, madame, ça. Elle a crié de rendre l'eau dans les yeux. Il dit, frère, je senti ça qui a passé en Haïti, je m'entendais ça qui a passé. Il dit, si je n'ai pas moyen, meilleure façon que je t'ai fait, c'est pour une famille pas à Haïti. Parce que ça m'attendait, c'est comme si les gens qui vivent à Haïti, c'est jour où on compte, c'est minute où vivre l'on compte, c'est heure de temps où vivre l'on compte. Mais il dit, je connais ce pasteur où il est frère parce qu'elle a respect pour moi, il a respect pour moi en pile. Il dit, je connais ce pasteur qui est où il est, où il connaît toute qualité de prière pour faire. Mais il dit, bon, enseignez un petit prière non pour faire. Là, on a sorti. Dis mon Dieu, mais gardez sortir, gardez entre moi, que tout le monde qui sorti, qui pas tourner, qui n'a pas la donne. Il dit, frère, je connais qu'il y a toutes sortes de prières, oui. Mais dis mon Dieu, fais que vous visible pour le monde qui doit être ou dans la rue, mais fais que invisible pour le monde qui pas doit être ou. Et me répondre pour me dire ça, mais on n'a pas besoin de marrer pour dire ça, parce que dans l'église, nous en Haïti, c'est prière ça nous gagnons, que nous invisibles. Pour les gens qui ne peuvent pas voir nous, quelqu'un qui a un aveuglement spirituel qui tombe pour les gens qui ne peuvent pas voir nous, que les gens qui peuvent voir nous, ils vont voir nous dans la rue, mais les gens qui ne peuvent pas voir nous, qu'ils passent sur eux, et même les tapis pour ne pas sentir ça, parce qu'ils ont un aveuglement spirituel, ils ont une anesthésie spirituelle. Et je dis que l'autre prière que nous faisons dans le tabernacle du rocher, c'est avant de passer, après de finir de passer, jamais pendant de passer. Et puis il dit, mais ok frère, merci. Parce que je me sens sous cœur pour me faire prier ça. Parce qu'il dit, je me sens, mon cap vivre en Haïti, c'est ça le jour. Quel jour que vous faites, c'est le compter. Elle dit, si je n'ai pas moyen, puis la meilleure façon de me sentir pour me vivre, c'est pour me battre une grande famille en Haïti. Mais là, c'est un jour, ça te passe. Ça, c'est confiance, moi. Je ne peux pas aller avant l'heure. Est-ce que l'église l'entendait ça? Pas pour aller avant l'heure. Parce que je garantis ça déjà. Pas pour aller avant l'heure, non, tout sens, oui. Pas pour aller aux États-Unis avant l'heure. Pas pour aller au Chili avant l'heure. Pas pour aller, regardez, pas pour aller au Brésil avant l'heure. Parce que Dieu prépare yon l'heure. Ni tout pas mourir avant l'heure. Parce que Dieu relève pour me prêcher pour lui. Dieu relève pour me parler pour lui. Dieu relève pour me témoigner pour lui. Pas mourir avant l'heure. Pas voyager avant l'heure. Pas parti avant l'heure. Là, mon Dieu, v'là, là, m'a déplacé. Parce que, message qu'elle t'a dit, Josué, tout côté opposé plein de pierres, m'balé ou comme héritage, eh bien, héritage ça, l'irrité pour moi et ma vie aujourd'hui. M'gwè quoi, tout côté m'posé pied, m'va gué un aveuglement spirituel. Depuis que mauvais moun là, tout côté m'met pied, après un aveuglement spirituel. Depuis que mauvais monde là, tout côté me met pied, a bon anesthésie spirituelle. Je dois marcher sous bandit à me toucher. Mais dis pas que c'est mon bon Dieu. Dis pas que l'âme n'a pas arrivé. Me toucher, c'est vrai, mais elle pas senti ça. Me passer sous lit, c'est vrai, mais elle pas senti ça. Parce que Dieu m'a réservé un lait pour me venir joindre. M'a averti ou déjà. C'est ça le message, m'a pris un petit temps en plus. Dans le moment ça à midi. Yes, amen. Dans le moment ça à midi. Reconnaissant envers bon Dieu. Là. Et pas retirer focus sur ce bon Dieu. Parce que chaque monde qui retire focus sur ce bon Dieu, c'est là ça yo penché. Yo t'a marché bien. Yo t'es sur route là bien. Yo t'es gain force yo. Mais les jours, les minutes que yo retire focus sur ce bon Dieu, yo commencé à habiter. Comme un petit monde qui peut continuer à marcher bien. Il a commencé à habiter.
Et c'est là ça a tombé dans tout. Parce que la focus était sur mon Dieu. Gon lumière qui était reflétée sur eux. Parce que Moïse t'a fait focus sur mon Dieu. Moïse t'a communiqué avec mon Dieu. Visage Moïse t'a brillé. Là, la retourné, il n'est pas capable de garder visage lui. Chaque monde qui focus sur mon Dieu, gon rayon qui reflète sur vous-même. Gon flèche qui sur vous-même. Gon connexion qui fait. Même Jean-Jacob te voit échelle là. Ils ont pris dans le ciel là. Et ils ont pris sous terre. Et bien, gon connexion qui te fait entre le ciel et la terre. Et c'est comme ça, monde qui focus sur mon Dieu. Monde qui focus sur mon Dieu, qu'on connexion qui fait. Et le jour, minute que vous retirez, focus sur mon Dieu. Et c'est là ça ouvre porte sur la vie pour vous déchouer. C'est là ça ouvre porte sur la vie pour vous tuer. C'est là ça ouvre porte sur la vie pour vous faire ça vous voulez. Parce que vous retirez focus sur mon Dieu. Je vais quitter avec parole ça. Abraham, Isaac, Jacob. Yo allez déjà. Mais moi-même avec nous là. L'église a pas attendu. L'église a pas attendu. Abraham, Isaac, Jacob. Yo allez déjà. Mais moi-même avec nous là. Et non simplement moi-même avec nous là. Bon bagaille qui est plus important. Parole, mon Dieu, était avec nous. Est-ce que l'église l'a attendu ça? Non simplement. Non simplement nous là. Parole, mon Dieu, l'a été avec nous. Et il y a un chant qui dit, parole ou gagne même puissance. Il n'a pas changé. Il y a un chant qui dit, même onction de t'élever Jésus-Christ dans la mort, la travaille dans nous aujourd'hui. Même puissance, la Bible dit, même puissance qui t'a ressuscité Jésus-Christ, la travaille dans nous. Parole, bon Dieu, là. Moi-même, avec nous là, parole, bon Dieu, là. Et bon Dieu, là. Parce que l'éternel, Dieu éternel, Jésus-Christ éternel. Saint-Esprit éternel, restez focus sur lui et on apprend la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse à nous. Si m'a chanté.